Et bonjour tout le monde, bonjour YouTube, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Ark Indian Life en compagnie de Scar et de notre toutou qui est tout là-bas, hein. Je l'ai caché un peu, pourquoi? Parce que je viens de voir un troupeau de... une meute, pardon, de chiens. On va essayer du coup de lui trouver un mâle, alors j'ai vu qu'il y en avait. Maintenant... Alors toi non... J'ai essayé de me mettre là, alors c'est pas dit qu'il monte pas, s'il monte on est un peu dans le... hein, voilà. La panade, j'ai envie de dire, ou s'ils arrivent à mordre à travers. Faudrait que j'arrive aussi à les... Oh, toi, t'es bien. C'était lui que j'avais vu, je crois. Faudrait que j'arrive aussi à les aggro, et ça, c'est pas de gagner. Hein. Ah bah voilà. Ok. Bon, en espérant qu'ils ne mordent pas à travers, on va quand même faire attention, hein, du moins. Je sais pas s'ils pourront mordre à travers, mais bon. Comme le jeu est un peu, voilà. Je sais pas si c'est lequel. C'est lui, hein. Ouais, c'est lui. Montez pas. Normalement, ils peuvent pas monter. J'espère. Tiens. C'est toi que je veux. Voilà, je le touche d'ici, donc très bien. Il y a une femelle qui est marron aussi. Elle est plutôt jolie, mais... On essaiera de se faire des mutants nous-mêmes ou de changement de couleur nous-mêmes, hein, tant pis. Les amis... Alors oui, je vous reprends là, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller essayer de se tamer un mammouth. Enfin, un couple de mammouths, si on peut, si j'ai encore assez de flèches. Pourquoi? Parce que y a eu une mise à jour, le TLC 3 sur les mammouths. Et les stégos, bon, les stégos dans cette série-là, non. Mais les mammouths, on pourra aller les voir, ils ont été refaits. Changement d'apparence et de capacité pour les mammouths, donc on va aller checker ça. Hein. Ça reste dans les mammifères, on peut les prendre. Bon, c'est un peu le bordel, là, en bas. Hein. Elle est jolie, la marron, aussi, mais bon. Pour le coup, marron, voilà quoi. J'espère que j'ai assez de flèches en vrai. Ouais, bah 110 en vrai. Ça devrait le faire. Pas pour lui, mais pour les mammouths plus tard. On prendra pas des hauts levels au pire, parce que j'aimerais vraiment les voir un peu, leurs capacités et tout. Non, il va se barrer. Ah. Tu vas te barrer, mais tu vas revenir. Hein. N'hésite pas. Vous êtes chiant. Et toi, t'es quoi? Non. Non, non, tu m'intéresses pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Il s'est clairement barré là-bas, hein. On le voit encore de temps en temps. Vous êtes insupportable en dessous, hein, j'ai envie de dire. Voilà, barrez-vous. Il est là-bas, lui. En vrai, il va s'endormir peut-être. Gardez sa torpeur. Ah, il va pas manquer beaucoup. Je vais y aller. Là, ça devrait aller maintenant. Hop. Alors. Copain, copain. Et vous voyez, en fait, on m'a dit pour les lézards qu'il fallait les champignons. Alors oui. Mais... Dors. Oui, mais on peut aussi les tamer avec des œufs de poulet, là. Les poules que vous voyez là devant moi. Si elles font des œufs, vous pouvez tamer les lézards... Les geckos, là, luisants. On peut les tamer avec, donc... Attends, du coup, c'est toi qui as. Donne. Attends, on a plus que 24. Bah ouais. Quoique, il est joli aussi, le mâle, là. Ça aurait été bien un noir, mais... Elle est où, ma viande? Hop, là. Ok. Bon, bah voilà. Comme ça, on a un couple. On va pouvoir se faire nos chiens de protection de la base. Les hyènes, je les enfermerai dans une cage, hein. On en gardera quelques-unes, mais c'est vrai qu'on en a beaucoup des hyènes. Je les mettrai, toutes celles qui ont des dons, je les mettrai dans une cage. Ou un parc à hyènes. Un enclos. Je leur ferai un enclos à hyènes. Faites pas les cons. Les compis, là. Si vous me mordez les pattes, ça va pas le faire. Hein. Et pareil pour mon lion. Scar est pas trop... Alors là, bon, bah voilà. Non, mais c'est décidé, venez. Ah bah attends. Bah tiens, ton premier combat, ça va être contre eux, là. Allez. Non, mais bouffez-les, hein. Ah, mais ils sont morts, mince. Bon, bah... Bah tiens, ça te fait de la viande, t'en avais plus. Hop. Bon, bah très bien, on a un petit toutou. Je vais l'appeler Elton, hein. C'est le nom de mon chien. Donc, il s'appellera Elton. La femelle, je l'ai appelée Volcan, je crois. Elle est par là-bas. Par contre, attendez, parce que... Lui, il me plaît bien. Destrier 32... On peut leur mettre de la torpeur. Et après, je le tame avec des baies. Hein. Il est beau, celui-là. Il est noir.
Je pense que je vais le prendre. J'ai envie. Ouais. J'ai envie, donc... Reste calme. Par contre, le problème, c'est qu'il va courir, quoi. C'est un cheval. Hein. 1,24 torpeur. Je pense pas que je l'aurai comme ça, quoi. Ah ouais, il m'écrase, quoi. Mince, j'ai cru qu'il allait là-bas. Non, je pense pas qu'on l'aura comme ça. C'était pour essayer parce que c'est plus facile qu'à la baie. Mais ah, là-bas, il y a des allosaures, tu feras gaffe. Oh, mais t'es jolie, attends. Attends. Là-bas, il y a des allos. S'il va par là-bas, ça va être terrible, quoi. Est-ce qu'il se calme à un moment donné ou pas? Ouais, non. Oui, non. Ouais, ça va pas être évident. Hein. Oula, tu tournes un peu trop vite, toi. Non, ouais. Oh, dommage. Il était super beau, quoi. Il s'est calmé. Mais suivez-moi quand même. J'ai peur de me faire attaquer les fesses. Hop, vous défendez. Oh, il y a un Rex, quoi. Attends. Quel niveau le Rex, parce que... 52. Ouais, ça va, le cheval est pas sur le Rex, au pire. Je pourrais pas le bloquer. Ils sont... Il y en a un autre qui court, là. Pourquoi? Femelle? Et toi, t'es une femelle. 32. 52, c'est plus intéressant, mais... C'est laquelle, la mienne? Enfin, celle que je voulais. C'est peut-être la 52, non, qui court? Je sens que le Rex va nous arriver dans le 1. Non, pas touché. Ok. Attends, est-ce qu'on pourrait pas la bloquer, quoi? Si tu bouges plus... Le stégo, tiens, on ira le voir, lui, là. Non! Ah! Mais arrête! Pff, on l'aura pas. C'est encore pire comme ça. On peut pas les bolas, eux. Une question que je me pose. On peut pas les bolas, les chevaux? Oh, attends, là, c'est bien. Bouge pas. Bouge pas. Non! T'étais bloquée, menteuse! Ouais, laissez tomber, quoi. C'est pas évident, la flèche, quoi. Faudrait que je me fasse des darts. Là, franchement, il y en a pour 8 jours, quoi. Dommage. C'est pas grave. Je dis c'est pas grave, mais j'ai envie, quoi. C'est chiant. En plus, ça a l'air de perdre la torpeur. Ouais, ça perd trop vite, la torpeur. Est-ce que je peux faire une bola? C'est pour essayer... Non, attendez. On va essayer de se faire une bola. Prends-moi ça là. C'est pas incassable. Très bien. M'étonnerait qu'on puisse bola des chevaux, mais bon. Ah, des petits bras, mon perso. Bizarre. Ok. De la fibre, je crois pas que j'en ai sur moi. Toi non plus, je parie. Attends. Venez, venez. C'est juste pour essayer la bola. Ah, j'ai plus ma touche pour enlever les. D'accord. Par curiosité. Parce que j'ai pas de carotte ni rien sur moi, donc ça aurait été plus simple de les endormir, mais bon. Alors fais voir. Si j'ai de la peau sur moi, ça. Bola. Bola. Du branchage. Ah, j'en étais sûre. C'était sûr. Hop. Bola. En faisant plusieurs, je m'en fous. Pour ce que ça coûte. Mais bon, ouais, là, franchement, ça m'étonnerait. On peut tester pour dire de pas mourir bête, mais voilà quoi. Hop, jette-moi ça. Jette-moi ça. Ok. M'étonnerait. Il m'étonnerait que ça marche. Non, attends, hop, prends ça. Ils sont où les chevaux? Elles sont où? Voilà. Ok. Alors. Est-ce que tu marches à la bola, toi? Ça aurait été cool en vrai, hein? Pas du tout. Ah si, si, si. Oh, c'est bien ça. Non, non, non! Oh! Mais faites pas ça! Regarde dans l'état où tu l'as mis. Bah bravo!
vois pas son, sa torpeur. Voilà. Oh, elle est morte? Vas-y, écoutez. On va essayer l'autre. Oh, désolé, franchement, j'ai oublié de les mettre en passif. Calmez-vous. Bah ouais, non, mais c'est pas malin, quoi. Et maintenant, sa copine est où? Bah, tu m'étonnes qu'elle s'est barrée. Non, elle est où? C'est pas malin, c'est de ma faute, hein, je sais bien, mais. Je sais pas où elle est partie, l'autre. Ah, je suis pas fière, hein. Elle serait partie où? Dans la flotte? Ah, comme par hasard, quoi. Venez, hein. Alors, on va essayer de pas se tuer. J'ai bien dit essayer. Ouais, bah alors vous, je suis pas fière. Très bien. Tu vas sortir de l'eau, par contre, ça serait. Attends. Ça serait moins bête. Attends. Voilà, sors de l'eau. On va attendre que tu te calmes plus loin. C'était pas prévu, mais je sais pas, je la veux. Je les trouve jolies. Hein? On est là pour faire ce qu'on a envie aussi, hein. Allez là. Hop. Bon, elle va s'endormir un peu plus vite, non? Elle a pareil que sa copine? Allez. Ça dort. Perd beaucoup de vie par contre, hein, avec les flèches. Bon, ça devrait aller, elle, par contre. Les autres, ouais, elle était trop en mauvais état pour marcher, quoi. Allez, allez, avant qu'elle s'en aille. On va la voir. Mais bon. Ok. Ah, on peut pas. Vous voyez, non, c'est faux. Dommage. On peut pas les avoir par torpeur, torpeur normale, quoi. J'arrive pas. Ou alors c'est qu'elle déconne parce qu'elle est dans le rocher, mais j'arrive pas à passer dans son inventaire. Et je pense pas que quand la bolasse sent, on puisse lui donner des baies. Non, de toute façon, c'est pas un rocher qui a ça. Tant pis. Bon, on va la laisser tranquille, la pauvre. Allez. Ouais. Vous voyez, comme moi, il y a une loutre. Je la veux. Alors, toi, viens là. Elle est où, ma loutre? Pas celle que je veux, là. De toute façon, il n'y en a qu'une, j'ai l'impression. On va essayer de lui donner, hein. C'est assez chaud de leur donner aux loutres. Non, attends. Tiens, prends ton poisson. Ton poisson. Hop. Oui, c'est pas prévu de prendre une loutre. Je suis d'accord avec vous, mais c'est mignon, quoi. On va tenter, hein. Oui! On l'a eu! Hop, viens là. Oh, on a une loutre, trop bien. Il n'y en a pas une autre des fois? Autant lui faire. Oh, mais après, c'est chiant. Ah non, je pourrais pas la ramener. Non, mais je vais prendre celle-là, c'est tout. Ça me fera une petite loutre à la maison. Je la mettrai dans ma maison, je pense. Dans un petit aquarium. Enfin, un petit aquarium, un petit truc pour elle, quoi. Petit enclos. Ouais, j'ai pas pu résister, hein. Il y a une loutre, je la veux, quoi. Logique. Ok, mammouth en vue, par contre, j'ai froid. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste les aggro et essayer de les faire descendre. J'ai même pas vu. Niveau 55, c'est pas si mal. Viens, viens, viens. Ouais, bah suivez-nous. Comme ça, on voit de plus près les nouveaux mammouths. Ils ont l'air jolis en plus. Ils suivent. Suivez-nous, suivez-nous, je suis en train de mourir de froid, moi. Dépêchez-vous un petit peu, ça m'arrangerait. Allez, allez. Oh, ils ont perdu l'aggro, quoi. Attends, tu vas pas le perdre longtemps, l'aggro. Voilà. Hop. Non, non, remets. Non, voilà. Oui, bah c'est pas bien grave. Alors attends, par contre. Oh, je suis déjà à moitié de vie, quoi. Allez, allez. On descend les mammouths, on descend. Oh, je vais pas devoir me faire une truc pour le froid, vous êtes sérieux? Si, je vais aller à la maison. Je vais aller à la maison, je vais me faire une tenue pour le froid parce que là, je vais pas tenir. Non. Bon, bah écoutez, hein. On se retrouve à la maison, en espérant que je meure pas maintenant, ça serait dommage. Je perds énormément vite ma vie, en vrai. Hein. Quand même. Hein. Ouais, bah écoute, Scar, tu. Hein, voilà. Après, on n'est pas si loin, donc ça devrait aller. C'est bon, mes chiens, ils suivent. Ok, là, on perd plus de vie ici. Ouais, ça sera plus simple avec une tenue, parce que là, les mammouths, ils sont quand même pas mal hauts.
Je vais rentrer à la maison, je vais me faire ma tenue, les copains, et je vous retrouve quand on retourne, pardon, au mammouth. Oh, il y a une vache là-bas. Non, là-bas, c'est une vache. C'est une nouvelle, ça? Ou c'est... Ouais, c'est pas les mêmes noms que les autres. Faites voir. Qu'est-ce qu'il y a de différent? C'est une nouvelle ou c'est les mêmes que d'habitude? Elle s'appelait comme ça. Je sais plus si les miennes, elles sont une touffe de cheveux. Une touffe de cheveux, je me comprends, quoi. J'en sais rien. Parce qu'il y a plusieurs sortes de vaches aussi sur la map. Je sais pas du tout. Bon, bah... Je regardais si les miennes, elles ont une touffe de cheveux, quand même. Attendez pendant qu'on est là, les copains. On n'a qu'à les faire se reproduire, voir un peu les bébés, déjà. Autre option, permettre. Autre option, permettre. Par contre, du coup, je vais te changer ton nom. Hop, hop. On va l'appeler Elton. Non, Elton. Voilà. Faites-moi des bébés. Faites-nous rêver. Petit toutou, là. J'aime bien le mâle en plus, en couleur. Après, il y a plus joli, hein, j'ai envie de dire. Au niveau texture, ils sont pas très très bien. Même les yeux, ils ont un peu les yeux vides, mais bon. Est-ce qu'on s'en fiche? Oui, c'est surtout pour protéger notre base et. Il est bizarre, lui, il a du bleu autour des. Elle aussi, j'avais même pas vu les taches en fait. Vous avez un petit peu de bleu, quoi. Ouais. Ils ont pas l'air très intellectuels, hein. Ouais. Bon, est-ce que. Non, c'est pas gênant, c'est pas gênant. Tiens, bah, le temps de la gestation, je vais aller voir mes amis les vaches. Et poser ma loutre aussi. Alors, elle, vous pouvez la renommer. Je sais même pas si c'est un mâle ou une femelle, on regardera ça. Je vais aller voir mes vaches, voir comment. Voir comment elle s'appelle, si c'est vache le nom. Ou si c'est cattle, là, je sais pas quoi là. Hop. Ah non, ouais, c'est les mêmes. Vous avez des cheveux, quoi. Essaye pas de te barrer, hein. Regardez, regardez. Faut que je remonte leur truc, hein. J'ai pas encore fait, les copains. Mes petites vaches. Ouais. Non, bah après, elles sont plutôt bien dans leur petit enclos, mais... Mais elles ont tendance à vouloir se sauver, quoi. Allez savoir. Ce caillou, quoi. Oh, c'est quoi? Ah non, c'est la porte qui sort du... Ok. Ok, ça, c'est toujours pas fini non plus, les tables. Il y a trop de choses à faire. Et oui, mais je suis toute seule, hein. Des fois, c'est long, quoi. Les petits moutons. Eux, je les laisse pas pour l'instant en balade, hein. Voilà, histoire qu'ils se sauvent pas. Bon, la petite loutre, on va aller la mettre dans la maison et en même temps on va regarder ce que c'est, quoi. Dundee, les gens étaient contents que tu sois revenu. Au cas où. Dundee. Ouais. D'ailleurs, il te faudrait une femelle, toi, toujours, hein. On n'a pas trouvé l'autre fois, et non? Pauvre Dundee. Eux, pareil. En plus, c'est ouvert là-bas. Eux, pareil, il faut que je leur fasse leur enclos au lion. Hop, venez là. Ça, c'est quand on est parti l'autre fois, et oui. Hop. Elles suivaient toutes Scar, et du coup, je les avais laissées là. D'ailleurs, allez vous mettre là. Je suis pas sûre que vous ayez à manger là-bas. Eh bah, tant pis pour vous. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Vous voulez pas manger? Eh bah, tant pis. Non, mais je les remettrai correctement. Alors, du coup, je sais jamais laquelle touche c'est. Non, non. Comme j'ai changé mes touches, voilà. Ok. Alors, fais voir toi. T'es une petite fille. Elle était toute mignonne. Elles sont trop belles les loutres en vrai. La la la. Bon, on va trouver lui un nom à celle-ci, hein. C'était déjà quoi? C'était Luna? Non, c'était quoi le nom de la loutre de ma vie 2? Je sais plus. C'était Suna, je crois. Ma loutre dans ma vie 2, l'héroïne, on va dire entre guillemets, quoi. En plus, ça lui ressemble un peu à Suna. Bon, je sais plus. Je crois qu'elle était noire. Vraiment toute noire. T'es trop mignonne. Tiens, attends, bah non. C'est dans Scar. Il n'y a pas d'escalier ici, par contre. Ouais. C'est dans Scar, j'avais. Oh, il y a le petit chien. Le petit chien. Bah, c'est un petit chien. Ouais, c'est encore mal fait, quoi, mais bon.
Est-ce grave? Non, tant pis. C'est un petit chien normal, quoi. Alors attends, ta mère doit peut-être avoir à manger. Non. Hop. Ouais, large. Large. Et du coup, t'es quoi? T'es une femelle? Oh, 180 la femelle. Hein. Bien, bien, bien. Bah, du coup, tu te reproduiras avec papa. Hein. En plus, elle a les mêmes couleurs que son père. Bah, pour le coup, attends. Toi. Autre option. Voilà. Vous accouplez plus. Toi. Normalement, je t'ai fait ramasser de la viande pour la loutre. Merci. Voilà. Est-ce qu'on peut remonter par là? Parce que j'ai pas encore mis les escaliers. Ah bah oui. Bon. Tiens. Tu vas être contente. Voilà. Je vais te mettre en vie. Bah ouais, t'es contente? Je vais te mettre en vie et voilà. Et du coup, bah, trouvez-lui un nom si vous voulez l'appeler Suna ou si vous voulez changer. Comme vous voulez. Nous, on va repartir. Nous, on va se faire. Il est où le chien? Viens là, bébé. Ouais, bébé avec la tête d'un adulte, quoi. Il n'y a pas tellement de différence, ouais. Hop, bah tu restes là. Normalement, t'es bien. Je t'ai mis combien de la bouffe? Je vais t'en remettre un peu. Voilà. Hop. Très bien. Bon, je pense que ça devrait aller le temps que je parte chercher un mammouth. Déjà, il faut que je me fasse ma tenue, hein. Je sais pas si j'aurai de quoi, par contre. Normalement, oui, mais. Attendez, on va mettre tout ce bordel là-dedans. Tenue de froid, alors c'est déjà quoi? C'est pas camouflage, c'est. Tenue. Non. Fourrure. Non. Comment ça s'appelle? Armure. Ah, mais je l'ai pas débloqué. C'est fourrure, je pense. Voilà. Hop. C'est vrai qu'il faut que je débloque ça. J'aimerais bien que ça se débloque automatiquement, mais je sais pas comment on fait dans un serveur solo. Vous savez que ça débloque les engrammes directement, quoi. Ouais, je disais pardon, mais j'ai eu une coupure. J'ai baissé la fin dans ma partie. Je sais pas s'il faut ça. Je sais pas si. Je pense pas que j'aurai assez de fourrure sans quatre. Vous voyez, j'ai des œufs comme ça. Chicken eggs. Ça, il faudrait que je les prenne pour les lézards et tout quand j'en croise. Vous voyez ce que je vois en arrière-plan? Une vache. Ça va mal finir. Ça va très mal finir. Hein. Pas de la fourrure qui traîne. J'ai toujours du bordel partout, quoi. Non. Voilà, dedans, non. Bah écoutez, je vais déjà essayer de faire. Toi, hein, tu vas y retourner dans ton enclos. Hein. Je vais essayer de faire. T'as rien, toi. Fais voir. T'as pas de fourrure, quoi. Tiens, je te remonte la vie. Hop. Donc j'y suis. Voilà, toi. T'as pas de fourrure, mais je te remonte la vie. Voilà. Nourriture, vous êtes bon, hein. Ça va, vous avez de la bouffe quand même. Hop. Non, 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 viens. Bah toi, je t'ai déjà vu. Vous avez pas de fourrure, toi, Simba, t'as pas de fourrure. Un peu. Je pense pas que j'aurai assez, mais. Clairement, mais. On va essayer de voir un peu dans tout le monde. Ils ont tous un peu farmé des choses, donc. Des fois qu'ils soient attaqués à des bêtes à poils. Eh oui. Non. En même temps, on fait les niveaux. T'es contente, toi? Ah, mais vous avez pas de fourrure, quoi. Bah, ça va, vous avez à manger sur vous, en vrai. Ça craint pas grand-chose pour vous. Éléphant, je pense pas. Lui, il s'est pas battu avec un truc à fourrure. Non. Non. Moi, j'ai quand même regardé l'éléphant, mais. Non. Ok, et eh ben écoutez, on va essayer de se faire déjà un début de tenue avec ça. Qu'est-ce que tu fais là-haut, toi? T'es content là-haut? Hop. Du coup, fourrure. Hein? Alors, je vais me faire la veste, pantalon et gants. Tant pis, j'aurai pas assez pour ça. Ah, c'est le métal qui va me manquer! Ah, ben, j'en ai plein du métal. Bougez pas. Ah, bougez pas, vous avez pas trop le choix, vous, mais. Ah, bougez pas. Ouais. Alors, là-dedans. Oui, j'ai soif, hein, j'ai vu. Ok, par contre. Vous êtes dans un état, les mecs. Hop, hop, voilà. Très bien. J'ai plus mon chapeau aussi, il y a moyen de. Enfin, mon chapeau, mes cheveux, quoi. Non, c'est pas là. Bah, si c'est pas là, c'était où?
Ah, je l'ai enlevé. Bon, bah c'est pas grave. Tu restais avec les cheveux comme ça. Parce que j'avais un truc. À la limite, il faudrait que je me débloque les coiffures. Je crois que c'est avec un code hein, qu'il faut faire ça. Je me débloque les coiffures et je me coupe les cheveux directement. Comme ça, mon perso, il aura toujours les cheveux que j'aime bien, quoi. Je pourrais faire ça aussi. J'ai presque une coiffure qui est pareille que celle que j'avais. Enfin, il y a une coiffure qui est presque pareille que celle que j'avais, donc pourquoi pas, quoi. Bah non, c'est bien ce que je me disais, menteur. Ah, c'est dommage. Ok, non, survivant. Hop, hop. Ça peut déjà m'aider, hein. Je pense que ça devrait déjà aider. Elle est jolie la tenue, j'aime bien celle-là. Mais j'aime bien la peindre en noir, par contre, hein, comme d'hab. Bah écoutez, je repars avec mes flèches Escar. J'ai oublié mes flèches. Faudrait que je les remette correctement les aquariums aussi. Hop. Ça devrait aller, ça, pour les mammouths. Et je vais prendre ça. Ça. Ouais, non, à la limite, pas prendre ça, je vais prendre mieux. Pour aller un peu plus vite. Normalement, je dois avoir là-dedans. Ah, loupé. Non! Tu dois avoir des carottes et tout, non? Comment ça? Il est où, mon kangourou? Le kangourou. Pourquoi j'ai plus rien Ah bon. Là-dedans. Quand je vous dis qu'il faut que je range. Hein. Non. Parce que normalement j'avais des carottes et tout. Je sais plus où est mon kangourou. Est-ce que je l'avais laissé? Ah là-bas je crois, attendez. Ouais. Walibi! Attends. Je sais pas. Bah d'ailleurs on va partir. Oh, tu sais quoi? On va partir avec toi en vrai, c'est plus simple. On va partir avec Walibi en fait. Voilà. Ça ira plus vite. N'est-ce pas? Bon bah je retourne dans la neige les copains. On a de quoi tamer. Ça devrait être bon là pour le coup pour les mammouths. On va regarder un peu. On va essayer d'en reproduire un coup. Ce serait bien de se prendre un coup pour essayer de les reproduire et voir s'ils ont changé aussi les bébés. Allez! En plus il y a les loups qui nous dérangent. J'essaye de les faire descendre mais parce que j'ai froid quand même. Mais les loups nous embêtent! Il va bientôt faire nuit en plus, ça va pas m'aider. Par contre, il y a deux femelles ici, donc ça m'aide pas non plus, mais déjà. Bon, butez-le! Bon, je pense qu'elles vont s'en sortir quand même. Il y en a où le loup? Ouais, c'est bon. Alors. Non, 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 toi non. Ah! Ah! Bon, on remonte, on remonte. C'est rien, c'est rien. Ok. Donc il y a deux femelles là-haut. Oh, il y a un cheval là. Attends. Hop. Allez. Non, mais fais un effort. Voilà. Ok. Là, vous voyez, avec Scar, on n'aurait pas pu remonter. Donc, heureusement qu'on a pris Walibi. Par contre, ah, ça va être de nuit, quoi. Elles sont où, là, les deux femelles? Très bien. Il y en a une qui clignote et l'autre, level 32. Bon, est-ce que c'est bon, là? On va essayer, hein. Voir la torpeur qu'elle se prend. Non, non, n'hésite pas à ne pas monter, hein. Allez. Ouais, ça a l'air d'être un nouveau truc qu'ils font, là. Elle a crié. Hein. Ouais, ils ont des nouvelles habilités, j'ai l'impression. Vas-y, viens là. Désolée pour le bruit, hein. C'est toujours mes voisins. Insupportable. Vous me direz. Eh bah oui. C'est plutôt insupportable, ouais. Vas-y, descends. T'as pas l'air trop agressif quand même. Enfin, t'as pas l'air contente non plus, hein, je dis pas, mais. Tu veux pas tomber en fait? Et moi je reste en haut? Ah, oh, dommage. Bon bah viens. Là, tu vas tomber. Voilà. Et après, tu restes en bas. Hein? À me piquer les fesses. Vas-y, grimpe. Oh, bah super. Bon. Bah, je retrouve pas la femelle qu'on avait vue tout à l'heure, mais il y a un mâle là déjà. Level 52. Ça devrait être pas mal. Par contre, il faudrait qu'il redescende aussi. Mais c'est bizarre que j'ai eu froid, j'ai quand même la moitié de la tenue, hein. Viens. Alors, pourtant, on a été par là. Je sais pas où elle est partie, où elle est morte, hein, j'en sais rien. Ça aurait été bien parce que.
Elle était quand même pas mal, la petite femelle. Ah, elle est peut-être en bas. Elle est là, non? Il y a elle et il y a sa copine, non? Ouais, bah c'est elle, non? Bah très bien. Par contre, le mâle, il veut vraiment pas venir, quoi. Bah écoutez, on s'occupe de lui après, on va s'occuper d'elle. Ce serait bien qu'elle vienne, par contre. Alors, attends. Viens! Non! Oh, je suis retombée. J'ai quand même baissé la faim et mon perso, il a tout le temps faim, quoi. Attendez, on va la voir là-haut, hein, c'est pas. Hop, faudrait que je mange quelque chose. Vas-y, mange ça. Tant pis, c'était pour le mammouth, mais comme on a autre chose pour le mammouth. Très bien. Par contre, ta copine va venir te protéger. Alors, ça, c'est chiant. Hop. Hop. Qu'est-ce que c'est? Oh, t'es beau, toi. Oh, il est joli, lui. Hop! Alors, on saute? Hop. Bah, saute, hein, de toute façon. Ouais, ça a l'air d'être un nouveau truc, c'est bien fait, hein. Je sais pas trop ce que ça fait, mais c'est bien fait. Bah, tu m'aggro pas, toi. T'as rien à voir dans l'histoire. Elle est où, ta copine? Madame? Elle est où, la deuxième que j'étais en train de taper, là? Elle se barre. Et pas dans l'eau. Viens, bon, c'est pas grave. De toute façon, tu risques pas de te noyer ici. Allez, gros mammouth. Elles ont l'air vachement mieux fait, hein. Allez, dodo. Ouais, toi, t'es beau aussi, hein, mais... Voilà, quoi. On n'est pas là pour ça. Il est où, mon... Elle est où ma... Là. Walibi. J'espère que les loups vont pas venir m'embêter à moi. Alors. Donne. Carole, toi. Je pense que t'aimes bien. Fais voir ce que tu préfères. Légumes ordinaires. Ça doit être ça, quoi. Carotte, ça doit être un légume ordinaire, je dirais. Bon, de toute façon, elle craint rien, hein. Je pense pas. Ouais, on testera un accouplement et regarder un petit peu les habilités du nouveau mammouth du TLC3, là. Je crois que c'est ça le nom du truc, hein. TLC3. Hop. Bon, je vais essayer d'avoir le mal. Alors. Hop, tu vas pas être bien content. Tu vas pas être bien content, je le sais. Viens, viens, viens. Je sais pas ouais, à quoi ça correspond, ce nouveau truc qu'ils nous font, faut voir. Tu vas descendre avec ta copine? Allez. Ils ont l'air vachement mieux faits, je trouve. On va bien les voir de plus près, on va attendre de les avoir. Hein. Allez, allez. J'aime beaucoup les mammouths dans ce jeu. Ouais. Ouais, tu veux pas venir, quoi. Ah, attends. Walibi! Walibi! Walibi, j'arrive pas à monter dessus. Bon, on va rester comme ça, hein. Salut! Ravi de vous connaître. Je suis bloquée sous l'eau. Ça m'arrange. En vrai, ça m'arrange. Bon, bah ça va, il est pas trop compliqué à avoir celui-ci. Viens là. Te sauve pas. Non. Oh, va pas trop où j'ai froid là-haut. Ok, c'est bon. Walibi, je peux monter? Ah, je peux monter. Très bien. J'ai l'impression que Walibi a changé de couleur. Non? Je sais plus quelle couleur elle était, mais j'ai pas l'impression que c'était comme ça avant. Ah si, ouais, si, elle a du marron. Je me disais, elle était pas si... Tiens, lui, ça va être avec les pommes de terre. Peut-être qu'il préfère. Hein. Tiens. Voilà. Bah écoutez, très bien. Ravi, ravi. Toi, t'as pas changé. Hein. Bon, arrête d'avoir faim, c'est pas vrai. Tu es une menteuse. Voilà. Mange une centaine de pommes de terre, comme tout le monde tous les jours, bien entendu.
On va voir ça, ouais, une fois qu'ils seront faits. Celle d'en bas, là, ça va ou pas? Elle est encore là? Ouais. Elle est encore là. T'en es à où, copine? Oh, bah ça va être bon. On a bientôt la copine. Par contre, faudra leur faire leur sel hein, dans l'atelier. Mais même les pattes, j'ai l'impression que ça a changé. Allez, montre-toi! Bah, au pire, je vous reprends à la maison quand on aura fait leur sel. Je vais les ramener à la maison tranquille et je vous reprends dès qu'on a fait les sels. Trouvez-leur des noms aux deux. J'imagine bien le mâle, comment vous allez l'appeler. La femelle, je sais plus le nom dans l'âge de glace, mais n'hésitez pas. Et re, les amis. Alors, je vous explique. Il y a eu un petit problème dans le voyage, c'est que notre mâle est mort. J'ai retamé celui-là, du coup. Qui est bon level aussi, donc ça va. Par contre, il y a un souci, c'est que bah, les nouvelles selles, impossible de les trouver dans les ateliers, je vous montrerai ça. Donc du coup, je les ai fait spawn, hein, vous m'en voudrez pas, c'est histoire de tester. Je leur ai fait spawn leurs selles, alors elles sont vachement plus stylées qu'avant, à la limite qu'on les peigne en blanc. Je sais pas s'il me reste du... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je sais pas s'il me reste de la peinture, faudrait qu'on regarde ça, ça peut être joli de voir aussi peinte. Mais elles sont jolies. On va essayer de les faire s'accoupler du coup, hein, nos amis. Par contre, alors, vous voyez, il y a ça. Drum radius, je ne sais pas ce que c'est. Autre option, permettre l'accouplement. Toi, normalement, là-bas, c'est bon. Et ben voilà. Ils ont vachement changé, les mammouths. Hein. Je trouve qu'ils sont vachement... Attends, je vais te quitter ta selle pour qu'on te voie mieux. Sans. Je trouve qu'ils sont vachement plus... pardon. Plus fins, niveau de la tête. Les pattes ont vachement changé aussi. Plus droites, je trouve. Moins grosses. Ils les ont un peu affinées en fait, les mammouths. Et le derrière est pas pareil. Hein, normalement, vous voyez les fesses. Et là, on les voit plus. Il y a la queue qui gêne. Plutôt jolie. Toi, t'as des superbes défenses blanches, hein, copine. Toi, hein, il y a un moment donné. Non, mais elle est insupportable. Je vais la mettre plus loin parce qu'à un moment donné, elle va prendre un coup par inadvertance. Mais tous les jours, je la ramène par là. Au pire, reste dans l'enclos des moutons, si tu veux pas être dans celui des vaches. Mais bon, t'es une vache, quoi. Je tiens à te le rappeler. Hop. Hein. Oui. J'en ai profité aussi pour aller... le temps d'aller chercher le mammouth, j'en ai profité avec Scar pour prendre de la fourrure, au cas où on en a besoin un jour pour refaire notre tenue. Enfin, voilà, bah écoutez, on va regarder le bébé mammouth, et ensuite, on va tester les nouvelles habilités du mammouth. Non, mais je suis en train d'attendre, regardez qui vient d'arriver, là, sur le côté. Elle me pousse, en plus! Toi, je te jure, j'ai envie de t'endormir en vrai. Hein. De quoi je me mêle, regardez. Dites-moi pas qu'elle est pas insupportable celle-ci. Bon, ça va que t'es mignonne. Ça va que t'es mignonne, mais t'es pénible hein, quand même. Et du coup, j'ai quand même peint les selles. Alors, ça c'est du blanc. Bon, ça ressort pas blanc du tout. Hein. Ça change juste un petit peu les trucs qu'il y a dessus. Et ça, c'est noir et rouge. Hein, j'avais que ça. Donc celle-là encore ça va, j'aime mieux celle-ci du coup. Ah, me poussez pas. J'aime mieux celle-ci pour le coup. Mais elles sont vachement belles leurs selles en vrai. Avec le petit... c'est quoi? C'est un tambour derrière. Et une petite plateforme. Je crois que maintenant on peut monter à deux. Si je me trompe pas. Je crois que ça a été dit dans la mise à jour, c'est qu'on peut monter à deux maintenant sur les selles de mammouth. Ce qui serait plutôt logique en vrai. Je pense. Hein. Enfin voilà, bah écoutez, je vais attendre. Je vais attendre quoi. Je vais attendre le bébé. Il va pas tarder à naître. Est-ce qu'on peut te voir de. Ouais. Je suis tellement petite en vrai par rapport à eux. On se rend pas trop compte comme ça, mais si je me mets comme ça. Hein? Voilà. Je suis tellement petite devant eux. Bonsoir. En vrai, ils vous écrasent tellement. Ils sont bien faits hein, quand même. Et j'aime bien aussi dans ce jeu-là, c'est le... Bah voilà, elle a accouché. Elle avait un gros bide et elle en a plus. Oh, tout petit! J'ai cru qu'il avait pas de... C'est pas très beau, hein? T'es pas très beau, mais... Oh, suis-nous, suis-moi. Attends. Suis-moi, suis-moi. Viens, petit, viens. Ouais, par contre, faut que je te donne à manger, j'ai rien sur moi, là. Attends.
Attends. Non, ça va en vrai. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins dans le jeu de base, les bébés sont modélisés, hein, heureusement. En fait, ils ressemblent pas aux adultes. Ils ressemblent pas aux adultes. Ils ont vraiment des textures. Enfin, des. Pardon. Un physique de bébé, quoi. Après, lui, il est pas super. Hein. C'est pas super beau, un bébé mammouth. Hein. Pourquoi ils t'ont fait comme ça? Tes défenses? Oh, il fait peur en vrai, on dirait Predator. Un peu. Enfin, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à Predator, sa bouche. Ouais, hein. Bon, par contre, t'es jolie, t'es tout noir, quoi. Mais, ouais. Trouvez-lui un nom. C'est une femelle en plus. Non, mais j'ai pas, ça me fait rire. Bah, ma foi. Bah, au moins, c'est modélisé, quoi. Après, je préférais les anciens bébés, pour le coup. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, mais bon. Nous, on va s'arrêter là, en tous les cas, pour la découverte des refontes des mammouths. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. À rejoindre la chaîne si ce n'est pas encore fait pour me soutenir financièrement. C'était Lee et ses mammouths, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao! Mais non, pas au revoir les amis. Oui, alors il y a un problème de sel. Ça veut pas se... Elle veut pas se remettre correctement. C'est peut-être parce qu'elles n'étaient pas finies. Hein. C'est pour ça qu'elles n'étaient pas craftables en fait. Elles veulent pas se remettre correctement. Bon, c'est pas grave. J'ai oublié de... Le principal, c'est de tester le mammouth. On va les tester alors. Alors faites voir un peu ces nouvelles attaques. Donc t'as celle-ci. Alors ça, c'est coup de tête. Vraiment, ça charge quoi. Ok. T'as ça. Le coup de trompe. Très bien. Qu'est-ce que t'as d'autre? Alors ça doit faire quelque chose sur nos ennemis après. Parce que quand ils nous faisaient ça, quand on les attaquait tout à l'heure, ça nous faisait quelque chose. Peut-être le cri, ils aiment pas. Ouais, regardez, le gerbois, il a des trucs. Après, à quoi ça correspond Bon, voilà quoi. Mais sinon, voilà, bah, c'était tout parce que j'ai oublié carrément de vous montrer ça quand même. Ouais, bah tu cours trop vite quoi. Il court trop vite. Ouais bah écoutez c'était tout, je pense qu'ils ont que ça. Après je sais pas ce que c'est ça là. Hydron. Drum radius. Attendez, si je fais hide et que je fais le cri là. Ah d'accord, ça lui fait rien. Et si je le remets. Je sais pas à quoi ça correspond par contre les copains. Si je le mets et que je recrie. Non, il s'en fout. Il s'en fout royalement, le gerboa. Attends, copain. Ouais, je sais pas. Je sais pas à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça fait aux ennemis, mais bon. Voilà, les amis. Bah écoutez, cette fois-ci, je vous dis au revoir. Allez, ciao!